Alain Trois-Bénin, bonjour à tous et bon réveil. Merci de démarrer votre journée du mardi 14 juillet avec nous. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin. Wahab Ali Para est déjà en plateau. Bonjour Wahab. Bonjour Christian, bonjour à tous. Dans un instant, on va vous retrouver pour les gros titres de la presse comme à nos habitudes. Mais avant, le sommaire dans cette émission, un point complet de la première journée de composition de l'examen du BEPC. Vous verrez dans le mini-journal de Nagui Balagbé dans une bonne quinzaine de minutes. L'ambiance dans les centres aux premières heures d'hier lundi, une ambiance faite de cérémonie de lancement des épreuves dans plusieurs régions. Le point dans un instant. Un des dossiers majeurs de retour au Parlement convoqué pour une session extraordinaire. Les députés vont de nouveau se pencher sur la révision du règlement intérieur de l'institution. Certains points contenus dans le document divisent avec le ton donné la semaine dernière par des députés qui ne partage pas l'esprit et le contenu de l'article 24 nouveau relatif à la constitution des groupes parlementaires et leur fonctionnement. Vont-ils enfin réussir à trouver le consensus autour? Question au cœur de nos discussions au forum tout à l'heure. L'actualité à l'international dans la sous-région est marquée par la succession des événements politiques en Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan Duncan a déposé sa démission en plein deuil du Premier ministre défunt Amadou Gon Coulibaly. Cette démission ne vient-elle pas brouiller le jeu politique à 3 mois de la présidentielle d'octobre? Analyse des débatteurs à suivre. En invité, le forum reçoit le professeur Rosaline, ou si vous le voulez, la professeure Rosaline Wourou-Ndekon. Elle est la directrice de l'ENEA. Elle nous entretiendra ce matin sur les études supérieures. Le Bénin, désormais admis aux normes internationales pour dispenser des formations en expertise comptable, une accréditation internationale. Donc, c'est un grand saut dont on connaîtra les contours avec notre invité. Mardi sur Actu Matin, votre chronique santé, l'acte 2 de la thématique du mois sur les AVC. Zakiat Latunji a rencontré Dr Hervé Aïssi, le cardiologue parle des signes d'alerte à connaître avec nous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les unes des journaux. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Eh bien, on vous laisse le micro pour la présentation des unes, Wahab. Oui, rebonjour Christian et bonjour à tous. Les premières informations ce matin, c'est avec Fraternité. Deuxième session extraordinaire à l'Assemblée nationale, la révision du règlement intérieur de retour. Les avancées de la commission des lois attendues, des points d'achoppement toujours au rendez-vous. Insertion professionnelle inclusive en faveur des personnes handicapées, handicap international. Plaide pour une justice sociale. BEPC, session de juillet 2020, les épreuves écrites lancées, les absences comptent par dizaines. Riposte à la pandémie liée au coronavirus, l'urgence d'impliquer la décentralisation pour des solutions idoines. Côte d'Ivoire, le vice-président démissionne. L'article de la dissension, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumou. Moïse Dossoumou, donc, qui fait référence à la révision du règlement intérieur à l'Assemblée nationale. À la une maintenant de la Nation, le ministre Alain Oroula, à propos de la
présidentielle de 2021, le président Patrice Talon est plus préoccupé par son bilan. Mise en œuvre des ODD, les 7 points forts de l'action et de l'engagement du Bénin. Et puis, poursuite de l'examen du règlement intérieur au Parlement, les députés en session extraordinaire dès ce mardi. La cloche à présent, loi sur le parrainage et l'élection présidentielle, un savant dosage pour décourager les candidatures fantaisistes. Appel à Patrice Talon à se représenter à la présidentielle de 2021. Le chef de l'État prêtera-t-il le flanc à la pression? S'interroge la cloche ce matin. Puis modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés reviennent à la charge ce mardi. Le matinal atteinte des ODD, le Bénin propose 7 messages clés pour 2020. Transformation de Parakou grâce au projet asphaltage. Le maire Aboubacar Yaya reconnaissant envers Patrice Talon. BPC 2020 sous le coronavirus. Priorité aux gestes barrières. Les résultats seront proclamés le 2 août prochain, nous apprend le matinal. La boussole, audience du maire de Parakou à l'ambassade de Chine près le Bénin. Et si Aboubacar Yaya demandait humblement conseil à l'honorable Rachidi Badamassi. Et puis à l'occasion de la célébration de l'an 1 de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, la PADEM Bénin honore 3 de ses membres à travers leur anniversaire de naissance. Matin libre présidentiel de 2021, opposition. Quelle stratégie? Grosse interrogation donc à la une de Matin libre. Assemblée nationale et modification du règlement intérieur. Les débats reprennent ce jour. L'économiste à présent, Veneste Africa francophone, les retombées de la première édition de l'initiative Rekia Madougou, BTP et matériaux de construction, un nid d'opportunités pour les investisseurs. La tribune de la capitale face à la puissance de feu de Boko Haram au Nigeria, près de 400 soldats désertent l'armée. Et puis, après sa démission de la vice-présidence de la Côte d'Ivoire, les premiers mots de Daniel Kablan-Ducamp. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que les députés vont à nouveau se rencontrer en session extraordinaire à l'Assemblée nationale et sans doute la révision du règlement intérieur sera à nouveau au rendez-vous. Voilà, sur convocation donc du président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavono, et bien les députés vont reprendre le chemin de l'hémicycle pour la deuxième session extraordinaire du Parlement. On rappelle donc qu'ils auront à étudier ce document, le règlement intérieur. C'est ce document qui est d'ailleurs à l'ordre du jour. On va en parler au forum de discussion tout à l'heure. Mais avant, vous suivrez la réflexion du chroniqueur Moïse Dossoumont qui parle de l'article de la dissension. On l'aura dans un instant. Et puis, insertion professionnelle inclusive en faveur des personnes handicapées. Handicap international plaide pour une justice sociale. Titre le quotidien Fraternité dans sa parution du jour. Le BEPC 2020 se déroule depuis hier. Les épreuves écrites sont lancées un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Image à voir dans notre mini-journal avec Nagui Balagué à la présentation. Il est déjà installé, Naguib. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Dans un instant, le mini-journal. Mais avant, voici l'ossature J2 pour le brevet d'études de premier cycle, session de juillet 2020. Ce matin encore, les candidats sont attendus dans les différents centres de composition en vue de la poursuite des épreuves, toujours dans des conditions idoines de sécurité sanitaire. Pas grand-chose qui change là-dessus, étant entendu que toutes les dispositions ont été prises à cet effet par les autorités en charge de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, tel qu'il a été fait le constat hier par nos équipes un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Les images tout à l'heure du lancement des épreuves dans l'UEME et le MONU. Et puis, nouvelle session de la plateforme d'échange entre l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB,
Et le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local, c'est autour de la relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Les parlementaires membres du réseau ont eu droit à un point d'étape du processus de relecture de la PONADEC, de même qu'ils ont été mis au parfum des attentes réelles de la fêtière des communes vis-à-vis de la réforme qui se prépare. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. D'accord, dans un instant, ce sera juste après la chronique du jour signée Moïse Dosomo. Moïse, bonjour. Bonjour Christian. On vous retrouve dans un instant. Et voilà Moïse, vous nous envoyez au Parlement ce matin, on vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour une fois, ils n'ont pas réussi à accorder leur violon. Habitués à parler d'une même voix depuis leur installation, les députés de la 8e législature ont montré il y a peu des signes de dissension. À la surprise générale, alors que le projet de révision du règlement intérieur de l'institution parlementaire devait passer comme une lettre à la poste, il y a eu un peu comme une remise en cause de la discipline de groupe. La période de suspension des débats, consécutive à la manifestation des premiers signes de désaccord, n'a pas arrangé les choses. À la reprise de la plénière, le lundi 6 juillet dernier, les contestataires sont restés campés sur leur position. Il n'en fallait pas plus pour que le président de l'Assemblée nationale, pressé par le temps et les délais incompressibles, clôture la session ordinaire ouverte quelques mois plus tôt. Rendez-vous a été pris pour une session extraordinaire. Ce jour, mardi 14 juillet, les élus du peuple se retrouveront à nouveau pour poursuivre les discussions sur le même sujet. L'article 24 nouveau, objet de la remise en cause de l'harmonie ayant prévalu jusque-là, sera encore au cœur des échanges. Selon le texte présenté par Odène Aladati, président de la Commission des lois des droits de l'homme et de l'administration, les députés s'organisent en groupe parlementaire par parti politique. Ainsi, le député d'un groupe parlementaire donné ne peut plus s'associer à un autre qui n'est pas de son creuset. Face à tant de rigidité, le ton est monté d'un cran. Le front ouvert par Nassirouari Faribako, Augustin Avanvin-Bla, Hassan Seibou, Abdoulaye Gounou et Benoît Degla, pour ne citer que ceux-là, s'est opposé à ces nouvelles règles qui tendent à révolutionner les pratiques parlementaires. Pour ces députés, on ne saurait transposer l'organisation interne d'un parti politique à un groupe parlementaire. Le long débat qui a suivi la réaction des contestataires est la preuve de ceux qui ne sont pas prêts à valider le test tel que proposé par la Commission des lois. Nassirouari Faribako, qui a pris le lead des opposants circonstanciels, milite pour le maintien de l'ancienne formulation de l'article 24, objet du désaccord. Le régime parlementaire dans lequel le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale dirige le gouvernement n'étant pas l'option du Bénin, les frondeurs n'ont pas voulu ouvrir la brèche d'un précédent. Ils sont restés fermes et le moins qu'on puisse dire est que leur lutte a payé, du moins la dernière fois. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? L'eau a-t-elle entre-temps coulé sous le pont? Ce qui est certain, il y a des échanges informels pour essayer d'arrondir les angles. Ces pourparlers, inévitables dans un tel contexte, vont-ils prospérer? Les postures qui seront adoptées au cours des prochaines heures renseigneront l'opinion sur l'efficacité des tractations qui ont cours avant la plénière. Et si pas extraordinaire, le même scénario se répète, c'est que quelque part les députés concernés tiennent vraiment à une certaine autonomie à l'Assemblée nationale. Il a donc fallu attendre un an avant que des velléités de dissension s'enregistrent. À 8 mois de la présidentielle, ce fait n'est pas anodin. Il annonce sans doute d'autres surprises auxquelles l'opinion aura droit au fur et à mesure qu'on s'approchera de cette échéance capitale dans une démocratie. Chose intéressante, les députés dits contestataires sont tous de vieux routiers de la scène politique béninoise. Ce sont de fins connaisseurs des méandres du Parlement et ils sauront se servir des expériences acquises au fil des années pour s'exprimer. Plus que quelques heures et on en saura davantage sur le sort réservé aux familles article 24, objet de la dissension.
Voilà l'article de la division ou encore de la dissension de retour au Parlement dans ce règlement intérieur qui est en train d'être révisé par les députés. Oui, Moïse Dessoumou, de recoupement, que prévoit déjà la journée d'aujourd'hui? Rien n'est sûr. Soit les choses vont se passer comme la dernière fois, soit en temps l'eau aura coulé sur le pont et ils vont se ranger. D'accord. Nous attendons de voir. Mais ce sujet sera une fois encore débattu en plateau tout à l'heure avec Hakimé Ousseni et Wahab Ali Para qui vont nous rejoindre dans un instant. Ce sera juste après le mini-journal. Je vous l'annonçais en ouverture de rideau ce matin, les compositions du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré hier. Ils sont 7924 candidats inscrits dans le département du Mono. Le lancement de cet examen a eu lieu au CEG à Goué, c'est dans la commune de Grand Popo, sous la houlette du préfet du département du Mono. On va retrouver Geoffroy Mensah. Ensemble, côte à côte, pour un même exercice. Procéder au lancement officiel de l'examen du BEPC, session de juillet 2020, pour le compte du département du Mono. Le préfet du Mono et le maire de Grand Popo, avec à leur suite des responsables au plan départemental impliqués dans l'organisation de cet examen, sont ici au CEG à Goué, un collège situé au sud-ouest du Bénin, à environ 7 km de la frontière Bénin-Togo, dit la Kondji, dans la commune de Grand Popo. Je voudrais vous souhaiter tous ici présents la bienvenue. Aujourd'hui, le 13 juillet 2020, s'ouvre la session du BEPC 2020. Cette session pour laquelle nous sommes ici présents, pour souhaiter assez de courage et de sérénité aux candidats. Dans ce centre d'examen du CEG à Goué, sur les 290 candidats inscrits, 285 dont 123 filles ont répondu présent et composent en moderne court MC et en moderne long ML. Ils sont répartis dans 10 salles de classe. Je voudrais souhaiter à nos candidats bonne composition et bonne chance. Que tout se déroule dans la paix et la quiétude pour que ces 3 jours de composition soit des moments de concentration pour nos candidats et de bonne surveillance pour les surveillants de salle. Pour cet examen, 7924 candidats sont inscrits cette année contre 10363 l'année dernière dans le département, soit un taux de régression de 23,54%. 256 salles réparties dans 16 centres de composition accueillent les candidats. Le gouvernement a joué sa partition. Toutes les dispositions ont été prises. Des masques ont été fournis aux élèves. Le dispositif de lavage des mains a été mis en place à tous les niveaux. Maintenant, vous les surveillants, vous devez veiller pour que les enfants observent les mesures barrières, surtout la distanciation sociale. J'ai saisi enfin cette occasion pour remercier le chef de l'État, le président Talon et son gouvernement pour avoir fait tout pour sauver l'année. Dans le département du Mono, le candidat le moins âgé a 12 ans et vient du CEG à Gamin. La plus âgée est une candidate libre de 54 ans. Voilà, nous irons à présent à Porto-Novo où les épreuves ont également démarré dans les conditions, je dirais, presque identiques. Sauf qu'ici, les vérifications avant le lancement des épreuves ont été faites sur place par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle. Marion Kakpo a donc procédé au lancement officiel des épreuves. C'était au centre de composition de Pobé, département du Plateau. En charge de registre, c'est connu de tous, le Bénin s'apprête ce 1er août, date de commémoration de son accession à la souveraineté internationale, à vivre une célébration inédite avec comme changement majeur la non-organisation d'un défilé militaire et des manifestations réduites au strict symbole. Ainsi en a décidé le gouvernement face à la menace de la propagation du coronavirus. Alors, que pensent les Béninois de cette décision? Réponse ici avec ce micro-trottoir réalisé par Ornella Bada et Elvis.
Déjà, c'est tout nouveau. On n'a jamais vu ça. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu ça ici en République du Bénin. Chaque fois, chaque année, pour le 1er août, il y a toujours eu le défilé. Alors, je pense que le gouvernement a certainement pris cette décision pour contrer le coronavirus. Parce que tout le monde le sait déjà, c'est partout dans tous les pays et même à l'étranger, les pays où il y a eu la fête de l'indépendance, il n'y avait pas également le défilé. Bon, ça ne me surprend pas, hein, moi. Je crois que cette décision, elle est la bienvenue, à mon avis, parce que vu ce qui se passe actuellement avec la pandémie du Covid-19, on ne peut que, je dirais, accepter cette décision. Parce que ça va dans notre intérêt. Il a vu juste. Il a vu que bon, donc, il y a la maladie qui s'appelle le coronavirus qui se court dans le monde entier. Donc il a vu que bon, donc, le 1er août, il y aura du monde. Donc là, il n'y aura pas de défilé militaire. Il a vu juste. Donc c'est bien ce qu'il a dit. Bon, moi, je trouve que c'est un avis salutaire du moment où la pandémie, cette maladie, tout le monde connaît de quoi elle est capable. Donc, je pense que c'est une très bonne décision. Ça va permettre, puisque de notre temps maintenant, le mal s'accentue. Ça devient plus chaud là. Le nombre de malades s'est augmenté. Donc, franchement, c'est une bonne décision. Ça va freiner un peu. Sinon, je me demande pour le défilé comment on va s'organiser pour respecter les distances, tout ce qui, en tout cas, les mesures barrières, quoi. Ce serait un peu difficile. Bon, à mon avis, c'est une bonne décision. Ils ont bien réfléchi. Parce qu'il y a un mal qui circule partout dans le monde. Pour éviter ce mal, il y a des précautions à prendre. Que nous avons déjà des principes que nous prenons tous les jours. Donc suite à ça, ils ont bien réfléchi. Parce que si on dit 1er août, c'est une fête nationale que nous fêtons depuis des années. Mais pour une année seulement qu'on laisse, ce n'est pas un problème. La santé est plus chère que le défilé. Donc si eux ils disent, ils voient maintenant qu'il n'y a pas le défilé, donc suivant les méthodes de prévention pour le Covid-19 là, c'est une bonne décision. Donc la fête nationale, c'est une fête d'habitude. C'est une fête que nous faisons depuis l'indépendance. Donc pour une année, faire seulement le dépôt de gestes, il ne voit pas ce qui est mal là. Donc c'est une bonne décision à mon avis. Décentralisation, session 2020 de la plateforme d'échange entre l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Les échanges ont eu lieu à Dassam et ont porté sur la relecture de la politique nationale de décentralisation et de la déconcentration PONADEC. Les travaux ont été dirigés par le maire de Diougou, représentant le président de l'Association nationale des communes du Bénin. L'initiative de la rencontre émane de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La session a regroupé, aux côtés des organisateurs, les députés membres du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Elle vise à leur présenter la position de la fertière des communes dans le cadre du processus de relecture de la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. De façon concrète, il s'agit de vous présenter l'avancement des travaux de relecture de la PONADEC conduits par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale avec l'implication de l'ANCB. De vous présenter les inputs et les recommandations de l'ANCB dans le cadre de ce processus et d'établir une feuille de route pour la valorisation des résultats et recommandations de l'ANCB dans le cadre de la relecture de la PONADEC. C'est également l'occasion de solliciter l'accompagnement des uns et l'engagement des autres pour le renforcement de la décentralisation et le développement local au Bénin, engagé dans le développement de partenariats stratégiques qui lui a permis de donner plus de portée aux différents plaidoyers qu'elle engage. L'ANCB a œuvré à la mise en place de nombre de réseaux, dont celui des parlementaires pour la décentralisation. Les résultats issus de cette collaboration sont multiples et bénéfiques à plus d'un titre.
En organisant la présente session, l'ANCB espère une fois encore la prise en compte effective de ces observations et amendements. J'espère que à l'issue de notre séance, cet exercice de relecture de la PONADEC va nous permettre de booster un peu plus, d'asseoir la décentralisation afin que le développement à la base soit bien assuré. Pour porter la voix des communautés à la base, dans des échanges autour des différents projets ou propositions de loi régissant le fonctionnement de notre État. S'il est vrai que le gouvernement du président Patrice Talon, que je remercie très sincèrement, fait de gros efforts d'investissement pour transformer le visage de nos territoires, booster le développement de nos communes et améliorer la qualité de la gouvernance au niveau local, il n'en demeure pas moins que certaines questions nécessitent l'intervention du législateur que vous êtes pour être résolues. Vous comprenez donc que votre forte présence à cette rencontre est source d'espoir et d'espérance pour les communes et les populations à la base. Soulignons que pour l'organisation de la rencontre, l'ANCB a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne et de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, à travers le projet d'appui aux associations nationales et locales des collectivités locales par Col Bénin. Finissons à présent avec le conseil communal d'Abomey-Calavi qui est allé au chevet des sinistrés des inondations enregistrées ces derniers jours suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la commune. Des vivres, des denrées de première nécessité et des enveloppes financières ont été remis aux personnes ayant tout perdu dans les eaux qui ont envahi leur demeure. Ce vendredi, les quatre quartiers les plus touchés par ces inondations ont reçu la visite du maire Angelo Arwandino et son équipe pour procéder à la remise symbolique des dons. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la commune d'Abomey-Calavi ont laissé derrière elles d'importants dégâts matériels. Quelques jours plus tard, leurs traces sont encore visibles. Plus de 2000 citoyens sont contraints à quitter leur maison pour se caser quelque part en attendant. Une situation face à laquelle le conseil communal n'est pas resté insensible. Ce vendredi, c'est le premier responsable de la commune qui a conduit lui-même en personne cette opération d'assistance avec des sacs de riz, des cartons de savon, des moustiquaires et des cache-nez. C'est le chef quartier de Zogbadje qui reçoit en premier la délégation du maire avec en main une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. C'est un geste humanitaire salutaire parce que la population sinistrée ne savait plus à quelle source se vouer. Et tous les jours, je reçois les gens ici, des coups de fil, et je répercute l'information sur mon CA et le maire. Et aujourd'hui, le geste prouve que je n'ai pas parlé dans des oreilles sourdes. J'ai parlé dans des oreilles qui m'ont entendu et qui ont répondu. Et je ne peux qu'au nom de cette population dire merci au maire et à toute son équipe communale. Après les sinistrés de Zogbadje, ceux de Yenadjuro ont reçu la visite du maire Angelo Arwandino et sa délégation. Le chef quartier réceptionne le don en présence des bénéficiaires. Cette action sociale du conseil communal d'Abomey-Calavi en de pareilles situations est une première. On n'a jamais vu un maire assister une population de cette manière-là à Calavi. Alors ce que nous venons de voir ce matin-là, ça donne la joie au cœur. C'est vrai, on est inondé, on est sinistré, on a fui les maisons. Mais dès qu'ils ont entendu l'appel du maire, tout le monde est sorti de l'eau, tout le monde est sorti de leur refuge, et ils sont venus accueillir le maire. Et ils ont accueilli à bras ouverts les vivres qu'on nous a amenés. Ce qu'ils ont amené, c'est très important. Ce n'est pas minime, c'est très important. Avec une enveloppe de 500 000, c'est beaucoup. Les quartiers Alegleta et Umvenomede dans l'arrondissement de Godomé n'ont pas été oubliés par le maire Angelo Arwandino et son équipe. Le geste de même nature et de même valeur est fait également à l'endroit de ceux qui ont tout perdu dans les inondations suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur la commune d'Abomey-Calavi. Les toutes premières actions ont consisté à faire le diagnostic de ce qui a conduit à un état de choses. Nous avons constaté d'abord que la population est mal installée, les lotissements n'ont pas été très bien faits, des maisons sont construites sur des histoires d'eau. Donc par endroits, en attendant, il faut évacuer l'eau. Donc des dispositions ont été prises pour l'évacuation progressive d'eau. Ensuite, nous avons décidé de soutenir, d'accompagner la population qui est en détresse. Parce que nous avons dénombré près de 2100 abris aujourd'hui.
Cette action n'est que la première d'une série, a promis le maire d'Abomey Calavi. Par ailleurs, un travail sera fait avec les techniciens à la matière pour trouver une solution efficace et durable au problème d'inondation de la commune d'Abomey Calavi. L'autorité communale a profité de cette sortie pour sensibiliser les populations sur le Covid-19 et ses ravages. Il les a invités à respecter les gestes barrières pour ne pas se faire compter parmi les victimes de cette pandémie. Ça se passe de commentaires, Christian Dandegan. C'est tout pour le mini-journal ce matin. Merci à vous, Nagui Balagwe. Bien, merci et très bonne journée du mardi. Nous sommes mardi sur Actu Matin. Nous avons rendez-vous avec notre chroniqueuse santé. Ce sera dans la dernière partie de cette émission. On parlera des accidents vasculaires cérébraux, les signes d'alerte avec les précisions de Dr Hervé Aïssi. Il est cardiologue. On retrouvera en plateau Zakiat Latoundjich qui va nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre dans un instant. Hakimé Ousseni et puis Wahab Alipara, on aura trois sujets à aborder ce matin. D'abord le Parlement, la révision du règlement intérieur, les débats qui sont de retour ce jour à l'Assemblée nationale. À quoi devons-nous nous attendre? Grosse interrogation. Nous allons recueillir les avis des débatteurs dans un instant. On parlera aussi de la présidentielle de 2021. Le débat se fait dans l'opinion et ça monte dans l'opinion toujours. Quelle stratégie pour l'opposition? Grosse interrogation, nous allons nous prononcer là-dessus. Et puis, je vous emmènerai également ce matin en Côte d'Ivoire avec la démission du vice-président de ce pays, Daniel Kabla Duncan. On parlait justement du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et cette fois-ci, quelques jours plus tard, c'est bien sûr le vice-président qui démissionne de son poste. Quelles sont les conséquences de cet acte? Et entre-temps, nous recevons en invité le professeur ou la professeure Rosaline Wourou-Houndéko, elle est la directrice de l'ENEAM. Avec elle, on parlera de notre pays, le Bénin, qui est accrédité aux normes internationales pour la formation des experts comptables. Nous comprendrons mieux. Merci de vous installer, cher monsieur Hakimé Ousseni et Wahab Alipara. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM location de voiture, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Bonjour Hakimé. Bonjour Christian. Merci d'être là. Wahab Alipara, merci de revenir en plateau. Merci. Voilà, ils sont de retour au Parlement aujourd'hui. Ce sont les députés de la 8e législature sur convocation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. C'est pour, entre autres, échanger sur ce document qui divise depuis quelques jours la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le processus n'est pas allé à son terme. On vous le rappelle, c'était la semaine dernière. Alors, à quoi devons-nous nous attendre aujourd'hui, Hakimé, pour un retour au Parlement? Non, à quoi peut-on s'attendre? À la poursuite des débats. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je crois que les honorables députés qui estiment que le point 24, l'article 24 donc, du règlement intérieur, en l'état, arrange les choses. Et pour ceux qui estiment qu'il faut véritablement travailler à ce que désormais, eh bien, il y a comme, je dirais, un respect strict des consignes, des formations politiques, eh bien,
vont rivaliser encore d'arguments, parce que vous constaterez que au lendemain de l'apparition de cette, je dirais, de cette divergence de point de vue entre les honorables députés à l'Assemblée nationale, il y a qu'on a multiplié, je dirais, des explications via médias interposés. Oui. Nous avons entendu l'honorable député Arif Aribako, qui a été reçu sur plusieurs plateaux pour expliquer les tenants et aboutissants de la position adoptée par lui et puis ses pairs. A contrario, eh bien, les autres, du moins, nous sommes restés un peu, je dirais, dans leur couloir, parce que, eh bien, aux yeux de l'opinion, c'est la position actuelle d'Arif Aribako, d'Augustin Ronvaibla ou encore et des autres qui sont avec eux, qui étonnent, parce que pendant longtemps, les débats au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas achoppé en ce qui concerne, je dirais, le comportement des honorables députés. On a cru, à un moment donné, que c'était comme une caisse de résonance. Mais surprise pour surprise, eh bien, désormais, les choses semblent-ils ne sont pas telles que nous l'avons souvent constaté. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit des questions purement parlementaire, c'est-à-dire les questions relatives à la vie du Parlement, qui a comme, je dirais, une divergence de point de vue, eh bien la question reste tout entière. De toutes les façons, il y a qu'aujourd'hui, on retient que les débats vont se poursuivre et que Arif Aribako et autres ne vont pas faiblir d'arguments pour pouvoir faire passer leur point de vue. Mais à l'arrivée, Christian, c'est que forcément, on doit passer maintenant à un vote. Oui. S'ils ne sont pas majoritaires, contre mauvaise fortune, ils feront bon cœur, mais il n'y a que désormais, on retiendra que, bon, il n'y a que les points de vue ne sont pas les mêmes sur certaines positions à prendre au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, on va rappeler aux téléspectateurs que le point d'achoppement au Parlement, c'est bien sûr l'article 24, comme il l'a dit Hakimé Seydou Ousseni, cet article qui parle de la constitution des groupes parlementaires et de leur fonctionnement. Alors, vous aussi, vous posez peut-être la question de savoir ce qui va se passer au Parlement aujourd'hui. On va toujours assister à nouveau au débat comme la dernière fois. Oui, moi, je m'attends naturellement, comme Hakimé l'a dit, à la poursuite des débats. Les chances pour que vraiment cet article soit modifié, à mon avis, en tout cas avec les derniers développements, n'est-ce pas, à ce sujet, les chances donc pour que cet article soit touché me paraissent très minces. Mm-hmm. Très minces, parce que je constate qu'avec les honorables députés, on est dans un schéma de « fais ce que je dis ». Ne fait pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé à encadrer, je dirais, les libertés, la marge de manœuvre des maires, mais à leur niveau, n'est-ce pas, ils ne veulent pas se sentir, je dirais, claustrophobes. Mmh. Ils ne veulent pas se sentir enfermés, embrigadés. Ce n'est pas la même chose. Les maires ont à gérer l'administration territoriale. Je suis, au Parlement, on sait que c'est le haut lieu de la politique. On va laisser la liberté aux députés. Non, mais au niveau des maires, c'est la politique. Oui. On peut être maire de l'opposition aujourd'hui et demain devenir maire de la mouvance présidentielle. Absolument. Et on a compris que certains maires élus étaient des maires FCBE par le passé. Certains se sont convertis, je dirais, en Union progressiste, en Bloc républicain et autres. Donc, c'est toujours la politique qui se poursuit. Que l'Assemblée nationale soit, comme vous le dites, le siège de la politique, ce n'est pas... Ça ne change pas, à mon avis, grande chose. Mais moi, je ne m'attends pas forcément à ce que beaucoup de choses puissent changer. On a beaucoup plus senti, c'est vrai, après la semaine dernière où ils se sont séparés sans parvenir à s'accorder, que c'est beaucoup plus les députés opposés, n'est-ce pas, à la révision de cet article 24, n'est-ce pas, c'est eux qu'on a beaucoup plus entendu sur les réseaux sociaux et sur beaucoup d'autres chaînes. Les autres ont gardé leur, sont intervenus très peu. C'est peut-être ce qui multiplie la force des personnes opposées ou des députés opposés à la révision de cet article. On ne sait pas quelles ont été les coulisses par la suite. Mais toujours est-il... Une semaine sépare les deux plénières. Voilà. Toujours est-il qu'il faut procéder à un vote. Si la maturité politique, je dirais, de nos députés aura permis, n'est-ce pas, de toucher à l'article, bon,
on va assister. De toute la façon, la journée d'aujourd'hui nous permettra de savoir finalement quelle marque des députés nous avons. Parce qu'il faut souligner que pratiquement depuis l'installation de la 8e législature, c'est maintenant on assiste à un tiraillement plus ou moins entre les députés. C'était un peu comme si tous les sujets ou tout ce qu'on amenait à l'Assemblée passait très facilement comme une lettre à la poste. Oui, Hakim Essédou Séni, on se rappelle, hein, mardi dernier, toujours sur ce plateau, on se posait la question de savoir quel sera donc le management qu'il fera, le président de l'Assemblée nationale, Louis Blavonou. Est-ce que vous avez eu vent qu'il a pu échanger avec certains de ces députés-là qui avaient adopté une posture contre l'article 24 nouveau? Non, je crois qu'en réalité, nous l'avons déjà la semaine dernière numéro sur le plateau. La révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne date pas de Louis Blavonou. La question était déjà agitée, déjà sous le professeur Mathurin Kofinago. Et je rappelle que sur Mathurin Kofinago, c'est parce qu'en réalité, eh bien, il y a eu m'a donné une forte opposition au chef de l'État, c'est-à-dire une forte opposition parlementaire qui a été matérialisée, qui a fini par se matérialiser par le fait que, eh bien, à des sessions bien précises, les secrétaires parlementaires priaient par leur absence et du coup, ça bloquait les activités au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, on avait agité l'idée de trouver, je dirais, un compromis pour pouvoir régler cette affaire-là. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la gestion de l'ancien président Adrien Mbeki et où, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on a encore agité la question de la retouche, de la révision du règlement intérieur. Le président Blavonou Louis vient en hériter. Et certainement qu'on se disait qu'avec ce qu'on peut appeler, je dirais, l'unanimité du point de vue au niveau des honorables députés, parce que, rappelons aux amis téléspectateurs, fut-il un rappel, je dirais, ma foi, pas pédagogique, ils sont deux, ou elles sont deux formations politiques, toutes deux embouchées à la trompette du pouvoir. Et donc, du coup, Christian, on ne voyait pas à quel moment les deux vont finir par s'achoper. Les choses sont carrément souvent allées comme une lettre à la poste. C'est un vote à l'unanimité, des députés présents et tout ce qui est autour. Et donc, Christian, on n'a pas cru que ça pouvait venir. Est-ce que le président, Blavonou, lui, a eu le temps d'une semaine pour échanger avec les honorables députés? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à entendre, je dirais, la rigidité de la position des députés qui estiment qu'il ne faut pas toucher, il faut laisser donc l'article 24 en l'état, il veut parler de Nassif Ali Varibako, qui a fait la plupart de la presse interposée la semaine dernière. Je me dis que, eh bien, il a été comme le porte-parole de ces députés-là, parce qu'on n'a pas entendu les autres. Il n'est pas le seul. Ablaye Gounou, président de la commission des lois, et consort et tout, que dis-je, ne se sont pas vus, je dirais, interrogés outre mesure. Mais, eh bien, Arif Al-Bakou était pratiquement en train d'apporter les éléments d'explication par rapport, je dirais, à leur position. Donc, je ne sais pas si en temps ils ont le temps d'échanger, mais tu es que sur ce point, je doute fort. Je doute fort que Vlavonou ait eu la chaîne d'arrondir les armes au niveau de ces honorables députés, parce qu'on rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Hein. Il y a un certain Augustin Ronwebla, et qui connaît Augustin Ronwebla dans cette prise de position par rapport souvent à des sujets pour lesquels, je dirais, il croit obi et obi. Je me dis que, de toutes les façons, cette session qui s'ouvre à partir de ce mardi nous réserve encore assez de déclarations. Assez de déclarations, oui, assez de surprises. Oui. Est-ce que vous pensez que la commission des lois, en revenant avec ce test, aura, disons, les arguments nécessaires pour convaincre les collègues députés dans leur présentation? Bon, moi, je me dis que si pour la première rencontre, la commission des lois n'avait pas eu suffisamment d'éléments pour convaincre les députés, ce n'est pas cette fois-ci qu'elle parviendra. Néanmoins, il y a un travail de fond qui a été fait. La rigidité, si c'est convaincre, ce serait difficile. Procéder au vote pour que peut-être les députés votent les yeux fermés, ça peut être à part. Mais la rigidité avec laquelle, Arif Bako a conduit son argumentaire, et on sait que derrière, il est soutenu par Hassan Seydou et Augustin Avamboebla, Abdoulaye Gounou et consorts, n'est-ce pas? C'est dire d'une manière ou d'une autre que si c'est les convaincre, comment dire, verbalement, leur convaincre du bien fondé de la nouvelle monture qu'on propose, franchement, les chances de cet exercice-là me paraissent très minces. Vous comprenez? Maintenant,
Le vote, c'est une autre réalité. Il se peut que les députés puissent voter, n'est-ce pas, même s'ils ne se retrouvent pas forcément à ce niveau. Et ça, vraiment, je ne pense pas que cela va... C'est vrai, parvenir à régler cette question, n'est-ce pas, ce serait à l'actif du président Louis Vlavono, qui a hérité, comme le décrivait tout à l'heure Hakim Essédou Oseni, des difficultés que les anciens présidents de l'Assemblée nationale, sinon du gouvernement, le chef de l'État avait avant. L'absence des membres du Parlement, sinon du bureau, qui bloquaient le déroulement des activités à chaque session. Cette question est réglée cette fois-ci, n'est-ce pas, qui permet au moins, de sauter ce verrou. Avant, il fallait faire un tour, je crois, au niveau de la Cour constitutionnelle qui devrait donner un avis. Donc, il y a une nouvelle formule qui est trouvée pour pouvoir corriger cela. Mais moi, je m'attends à ce que la journée d'aujourd'hui peut-être s'achève par une solution plus ou moins, digeste, aussi bien pour les députés que pour nous tous. Voilà. On va aborder un autre sujet puisque nous parlons en politique à l'Assemblée nationale. Parlons maintenant politique sur le terrain politique, notamment avant la présidentielle de 2021. Hier, on évoquait d'ailleurs déjà le sujet en plateau. On ne sent pas les ambitions se prononcer. Alors, parlons, allons voir un peu ce qui se passe du côté de l'opposition au régime. Quelle stratégie pour notre opposition? D'abord, est-ce que vous l'apercevez, l'opposition? Est-ce que vous la voyez? Non, l'opposition, on n'a vu peut-être l'opposition que pendant les élections communales. Et on sait que tout ne s'arrêtait pas là, puisqu'il y a en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021, mais on n'a pas, sinon qu'à l'heure actuelle, on ne sent pas pour autant l'opposition. Pour, un parti politique qui naît et qu'on sait que sa finalité, c'est d'aller à la conquête du pouvoir, fut-il parti de l'opposition ou de la mouvance, on n'a pas senti, n'est-ce pas, on n'a pas senti l'opposition. Et si vous me demandez quelle stratégie, la stratégie de l'opposition, naturellement, c'est de sortir. La stratégie de l'opposition, c'est d'afficher son ambition. La stratégie de l'opposition, c'est de faire des propositions. La stratégie de l'opposition, en tout cas comme on ne le connaissait pas le passé, c'est de venir et nous démonter. Pas démontrer, démonter, n'est-ce pas, ce que le régime actuel, la gouvernance actuelle est en train de nous miroiter, est en train de nous miroiter. Mais jusque-là, on n'a pas senti cela. Je reviens donc à nouveau sur mes interrogations de la dernière fois sur ce plateau. Est-ce le chef de l'État est vraiment parvenu à mettre, je dirais, sous scellé les grands électeurs, les partis, les grands partis et autres? Parce que le chef de l'État, comme vous le savez, de sa position de candidat à l'élection présidentielle en 2016, disait que pour qu'un chef d'État puisse être relu, n'est-ce pas, ce n'est pas forcément la qualité de son bilan. Je paraphrase, ce n'est pas forcément la qualité de son bilan. C'est sa capacité à mettre, je dirais, sous son emprise tous les grands électeurs. Lorsque personne n'arrive à lui tenir tête, à lui résister, il a beau avoir un mauvais bilan, un piètre bilan, il sera réélu. Mais pourquoi alors on ne sent pas l'opposition? Est-ce que l'opposition... Vous avez la réponse? Non, je n'ai pas encore l'opposition. Est-ce que l'opposition n'envisage pas participer à l'élection présidentielle et peut-être souhaite se contenter des... Je crois que ça fait sept mairies. Alors, et peut-être se contenter des sept mairies que nous avons. On n'a que timidement, n'est-ce pas, le professeur Joël Aïva, donc c'est vrai qu'il n'a pas fait une déclaration, je dirais, officielle mais que la démarche qu'il est en train d'être menée sur le terrain laisse entrevoir, une certaine question dans l'opinion à Hakim Ousseli. L'opposition est-elle en train de somnoler, disons, dans un silence? Est-elle si fragilisée pour ne pas réussir à s'organiser, nous présenter un schéma à 8 mois de la présidentielle? Il faut d'abord se poser une question fondamentale. Qui c'est qu'est l'opposition et quelle est la santé de l'opposition? En l'état, sur l'échiquier politique, en termes d'existence des formations politiques,
l'opposition semble-t-il être incarnée par la FCBE, la force que le Point Bénin émergent. Et à côté de la FCBE, s'il y a encore un parti dit de l'opposition, c'est le parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï, oui, qui malheureusement n'est pas allé aux élections municipales et communales dernières. Mmh. Les autres il faut rappeler que candidat Zanaï a demandé à ce qu'on convoque un dialogue politique beaucoup plus élargi avant d'aborder les questions électorales et autres. Exactement, ce qui vient peut-être confirmer sa posture de force de l'opposition qui aurait voulu que les choses se fassent autrement. Et parce que ce n'est pas fait bien, il n'est pas prêt à s'engager dans une bataille électorale. Et donc, ce n'est que la force que le Point Bénin émergent qui est allé à aux dernières élections municipales et communales. Et s'en est sorti avec une portion congrue, quoique au moins en termes de prise, il y a une bonne prise, la mairie de Para, qui se trouve être une des communes à statut particulier. Mais depuis lors, vous constaterez que, eh bien, silence radio. Parce que d'abord, avant qu'on en arrive, je dirais, à ce résultat, à cette performance de la force que le Point Bénin émergent, il y a eu, je dirais, une forte dissension au sein de cette formation politique. Donc, au lendemain des élections municipales communales, eh bien, si la FCB continue pas à se faire réclamer d'être une force de l'opposition, il va falloir qu'elle puisse d'abord, Christian, travailler, et bien entendu, à colmater les brèches au sein de sa formation politique. Est-ce que ça se fait? Apparemment non, parce qu'il se fait dire que l'ancien président d'honneur et ancien président de la République, Boni Yayi, et certains qui semblent-ils embrouiller sa trompette au sein donc de la grande famille en son temps, force que le Point Bénin émergent, travaille à la création d'une nouvelle formation politique. À quelques encablures. On l'annonçait, il y a beaucoup de mois déjà, à quelques encablures de la présidentielle prochaine. Et donc, du coup, ça amène déjà à répondre et à trouver des éléments d'appréciation à la santé actuelle de la force que le Point Bénin émergent. Tu parlais d'une autre. Restaurer l'espoir essaie quand même de se faire entendre à travers son président, je parlais de candidat Zanaï, qui envoie souvent, je dirais, son point de vue à travers les réseaux sociaux. Mais quand on s'arrête là seulement, on constate alors que, eh bien, cette opposition, ainsi il faut ainsi l'appeler, n'est peut-être pas active sur le terrain. Certains vous répondront que quand on tente de s'organiser face à ce régime, le régime du président Patrice Talon, il n'y a qu'en deux temps de mouvement, eh bien, vous êtes semble-t-il déstabilisé. Et donc, l'opposition travaille donc à faire un travail qui n'est pas visible et perceptible donc, à la surface. Oui. Et n'oublions pas aussi, Christian, que quand on parle de l'opposition, oui, quand on parle de l'opposition, il y a des figures qui ne sont pas au pays. Oui. Un certain Valentin Dienotin, un certain, qu'on le veut ou pas, Léali Soglo, un certain Komi Koutché, un certain Sébastien Adjavon, qui ont des années judiciaires, j'allais dire. Et vous remarquerez que les verdicts qui ont été rendus par rapport à certaines de ces personnalités, eh bien, les éloignent pendant 20 ans. Pour certains, de l'actualité politique. Dites-moi, quand on est loin de l'actualité politique pendant 20 ans de son pays et qu'on n'est pas au pays, comment est-ce que ça s'organise? Ça n'est pas. Il y a quand même des personnalités politiques de l'opposition qui sont en interne. Nous en avons vu qui ont participé aux dernières élections. Lesquelles? Avec les forces que Point Bénin émergent, par exemple. C'est pour ça qu'il y a fait d'avance. Ces figures de proue-là ne sont pas au pays, que l'organisation au sein de l'opposition n'est pas aussi forte, d'une manière ou d'une autre, ça pèse beaucoup dans le comportement actuel, je dirais, des forces de l'opposition sur place. Et c'est pour ça que je vous ai démontré qu'il n'y a que deux forces de l'opposition, la FCBE et Restaurer l'espoir. Et la FCBE, comme je vous l'ai dit... Il y a le MPL qu'on reconnaît. La FCBE, comme je vous l'ai dit, Christian, eh bien, a eu, je dirais, des difficultés au sein de la formation politique avant de participer aux élections municipales et communales dernières. Et je vous dis qu'en termes, je dirais, de comportement après élection, c'est d'abord travailler à colmater les brèches au sein de cette formation. Parce qu'on ne peut pas vouloir se présenter à la présidentielle prochaine sans pouvoir régler, je dirais, des dissidences à l'interne. Et au nom de cette dissidence, au nom de ce comportement, vous avez dit que l'ancien président Boni Yayi, président d'honneur ex donc, de la FCBE, et puis certains donc, qui embrouillent sa trompette, travaillent peut-être à la création d'une nouvelle formation. Ça veut dire que la FCBE en l'état est fragilisée. Ce n'est plus la FCBE tout au complet. Et quand on veut aller à une élection présidentielle, Christian, on ne va pas en dispersion. On va, la grande majorité des militants et sympathisants de cette formation. Ce n'est pas encore le cas. Et n'oublions pas
que le débat qui se fait au-delà du comportement actuel, non visible et non perceptible de l'opposition sur le terrain, il y a que, eh bien, on travaille à ce qu'on puisse lever le verrou de parrainage contenu dans le code électoral. Mmh. Donc, là aussi, eh bien, il y a que c'est un élément qui, d'une manière ou d'une autre, je dirais, ralentit le comportement sur le terrain de l'opposition. Mmh. Parce que, oui, une chose est d'être présent, l'autre chose est de remplir les critères de participation dans à la présidentielle prochaine, dans le parrainage. Mmh. Et donc, en l'état, il n'y a que d'une manière ou d'une autre. Vous ne verrez pas l'opposition peut-être en train de crier à Corée, à Chris, et sur le terrain pour dire voilà, on veut conquérir le pouvoir. Mais il faut d'abord s'organiser pour remplir les conditions de participation à la présidentielle et tirer beaucoup plus, je dirais, les éléments d'atout. Je pense que il y a quelque chose qui pourrait justifier le contexte et comment dire, le silence, sinon le calme plat qu'on a senti pour le compte de la présidentielle prochaine. C'est notamment le contexte actuel, le contexte politique que nous avons, notamment la réforme du système partisan, notre code électoral, le détail du parrainage. On n'a plus les candidatures, pas fantaisistes, mais les candidatures individuelles où quelqu'un qui, même s'il n'a pas un parti politique, puisse se lever du jour au lendemain et dire « je suis candidat ». Il a quitté peut-être Bogbanou et mobilise les femmes de Dantokpa et autres derrière sa personne. Mais je ne sais pas quel baromètre pour autant Akimé a utilisé pour ne citer, n'est-ce pas, Restaurer l'espoir et FCBE comme les seuls partis de l'opposition. Mmh. Peut-être que tous les partis de l'opposition n'ont pas les mêmes capacités de nuisance face au régime. Mais ils sont quand même partis de l'opposition. Ils demeurent les partis parce que la République du Bénin, FCDB de Soumanou Touléba, c'est une opposition constructive. Il s'est laissé, je dirais, partager une de ces cartes sur laquelle il a été mentionné chargé de mission du chef de l'État. Ça ne change rien. L'information pour dire l'opposition, s'il vous plaît, ne commettons pas l'erreur ou bien. Nous ne manquons pas de l'intelligence des populations. Si on va citer, si on va citer les forces de l'opposition actuelle, je citerai la FCBE. Je rappelle qu'elle est en difficulté parce que, eh bien, ayant cette rencontre. Jusque là, on entend plus. Les maires FCBE sont installés, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas. Le secrétaire exécutif national, Vous aurez la parole. Sur cette parenthèse, on peut avancer. Force de l'opposition, FCBE. Force de l'opposition, Restaurer l'espoir. Force de l'opposition, MPL. Force de l'opposition, FCDB. Ça a une valeur utile. Non, la liste commence par s'allonger chez Akimé parce qu'il vient d'intégrer MPL de Sabi Sina. Je vais rectifier ça. Oui. Je ne l'ai pas cité, pas parce que je l'ai dit qu'elle est, elle est une force de la mouvance présidentielle. Non, je parle des forces qui ont été actives sur le terrain. C'est ça que je parle. D'accord. J'ai jamais dit que la MPL. Même dans l'activité sur le terrain, Akimé ou Séni. Restaurer l'espoir, même dans l'activité sur le terrain, c'est son président seul qu'on voit au devant de l'actualité, de la scène. Vous voulez répondre aux questions désormais? Non, pas vous répondre aux questions. C'est moi qui pose la question. Et donc je réponds. Oui, répondez. Pour vous dire que la FCBE, force de l'opposition, Restaurer l'espoir, comme je l'ai dit dans mon développement, à travers son président, candidat Zanaï, a souvent réagi sur l'actualité politique nationale. Je n'ai pas cité le MPL, pas parce que le MPL n'est pas une force de l'opposition. Et justement, du coup, eh bien, il y a des actions du MPL que nous avons vues sur le terrain. D'ailleurs, starting block pour les municipales dernières, mais malheureusement, récalé d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas, au-delà de ces trois forces, vous me dites aujourd'hui sur le plateau, pendant que j'y suis, vous pouvez le dire, toi et puis vous, j'allais dire, et puis Wahab, mais je ne dirai jamais, nulle part, ou bien Toby, que Je voudrais dire une chose. La carte de visite dont parle Akimé, que je n'ai pas encore vue, donc je ne peux pas me prononcer pour autant sur cette carte de visite qui mentionne Soumanou Touléba est chargé de mission du chef de l'État. Je me dis que cette carte n'est pas valable face au test
en vigueur en République du Bénin, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, où on sait qu'un parti, un parti accrédité ou un parti autorisé comme tel en République du Bénin va s'inscrire. Donc, cette carte de visite que n'importe quel imprimeur dans n'importe quel vent peut imprimer, n'est-ce pas, n'a pas la même valeur, n'est-ce pas, en République du Bénin, à l'heure où nous parlons, n'est-ce pas, comme un enregistrement au niveau du ministère de, au niveau du ministère de l'Intérieur. Néanmoins, on conclut que quel que soit le nombre de partis politiques que nous avons en République du Bénin à l'heure actuelle, on n'est pas en train de les sentir en activité pour le compte de l'élection présidentielle prochaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour dire que, un, l'élection présidentielle se prépare très tôt. Et même si on n'a plus les candidatures fantaisistes, même si l'ancien président Boni Yayi, ancien président d'honneur de FCBE, fragilisé, comme l'a démontré tout à l'heure Hakim Sédou Séni, se prépare à, comment dire, monter un nouveau parti politique et qui fragilise FCBE, comme on l'a dit, ça ne devrait en rien changer pour le combat, n'est-ce pas, qu'on doit mener sur le terrain pour le fauteuil présidentiel. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'il faut d'abord manifester l'intention. On n'a pas encore senti cela. C'est en fait ça le problème. Mmh. Il faut manifester l'intention et qu'on puisse sentir que vous êtes bloqué parce que vous êtes fragilisé. Boni Yayi de ce côté est en train de préparer son parti politique. Ce n'est pas encore tard. Oui, moi, ce n'est pas encore tard. Si vous dites que ce n'est pas encore tard, c'est un peu comme si le débat n'avait pas sa raison d'être. Le débat a sa raison d'être parce que par le passé, on n'était pas habitué à ce silence plat. Pourquoi voulez-vous, comment est-ce que vous voulez que l'opposition se comporte sur le terrain dans le contexte actuel? La question reste tout entière. Je vous rappelle que, comme je l'ai fait constater tout à l'heure, les forces de l'opposition ne sont pas seulement à l'interne, elles sont aussi à l'extérieur. Et parmi ces forces de l'opposition, des personnalités politiques, je vous ai cité des potentiels candidats. S'il n'y avait pas eu, je dirais, des situations politico-judiciaires. Oui, très impondérables. Quand on prenait un certain Komi Koutché qu'on avait passé, il n'y avait pas eu cette situation, je dirais, de maille à partir avec la justice. Komi Koutché, les chances qu'il soit candidat sont nombreuses. Quand on prenait un certain Sébastien Adjavo avec la brouille qu'il y a eu avec le pouvoir en place, eh bien, s'il était sur le terrain, s'il n'était pas hors du territoire, il y a que vous le verrez certainement d'activité. Donc, comme dirons, loin, on peut aussi organiser sur place, mais ce n'est pas facile. Je ne suis pas dans la peau d'un certain Sébastien Adjavon pour savoir ce qu'il vit à l'extérieur. Je ne suis pas dans la peau d'un certain Komi Koutché qui est à l'extérieur, qui vit aussi des situations pas forcément intéressantes. Mais je me dis que, d'une manière ou d'une autre, cette opposition que le veut pas, on a beau tout dire, cette opposition elle est fragilisée. C'est une vérité absolue. Et quand l'opposition est de cette manière fragilisée, Christian, ne me demandez pas qu'elle s'organise au vu au-dessus de tout le monde. Peut-être qu'il y a une organisation qui se fait à laquelle nous ne sommes pas, dont on n'a pas écho. Donc, je suis d'accord que à boule pour point, on peut dire que ça ne s'organise pas, mais je pense que, eh bien, cette fois de l'opposition a sa manière de travailler. Mais j'insiste sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, même si elle s'organise, il y a qu'il faut remplir des critères pour prendre part à une élection présidentielle chez nous. Et parmi ces critères, il y a pour l'instant le verrou de parrainage qui constitue un gros handicap les forces de l'opposition. Non, donc, en tant que telle, en tant d'organisation, c'est peut-être de lutte d'abord sur le terrain pour pouvoir faire sauter le verrou de parrainage et mettant l'organisation interne, eh bien, ils n'ont pas besoin de ces forces de l'opposition de venir sur un plateau de télévision pour vous dire voilà comment est-ce qu'on s'organise. Peut-être que la divergence au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la révision du règlement intérieur peut-être pourra favoriser le parrainage pour les partis de l'opposition. Nous observons et nous avons déjà beaucoup de réactions de la part de certains de l'opposition qui disent qu'ils sont en train de s'organiser et que nous aurons des surprises bientôt. Peut-être qu'on est pressé aussi. On est aussi pressé peut-être. Bon, c'est parce qu'on ne vous voit pas sur le terrain que nous nous prononçons, chers messieurs, des partis de l'opposition. Alors, très rapidement, je vous arrache un mot, Hakim Ousseni, sur la situation en Côte d'Ivoire. Ce pays qui pleure son premier ministre candidat du parti RHDP à la prochaine présidentielle. Le deuil n'est pas terminé. Et le vice-président a remis au chef de l'État, Alassane Ouattara, sa démission pour raison de convenance personnelle, ça on le rappelle. Une démission surprise en plein deuil. Non, quand on interroge ou quand on a suivi de près les actualités en Côte d'Ivoire, eh bien, vous rendrez compte qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Parce qu'en réalité, eh bien, il faut rappeler que le poste de vice-président au niveau
en Côte d'Ivoire, fait suite, je dirais, à la retouche de la Constitution, c'était en 2016. Et donc, du coup, eh bien, on a institué un poste de vice-président. Et Daniel Kablan, on rappelle au passage, hein, Christian, que c'est un homme politique du PDCI, oui, PDCI du Feu Félix Oufouet-Boigny, et que c'est à la faveur, je dirais, de la Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Exactement, c'est à la faveur de la coalition entre donc le PDCI et puis le RD d'Alassane Dramane Ouattara pour la création du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et que Daniel Kablan a été appelé au gouvernement. Il a occupé d'abord le poste de ministre des Affaires étrangères. Par la suite, on l'a vu confier le poste de Premier ministre, cumulativement donc au poste de ministre de l'Économie. Et donc, du coup, ça faisait état de ce que c'était un cadre, j'allais dire, un homme politique d'envergure. Et on rappelle que quand on créait, ou j'allais dire, quand on appelait donc au gouvernement, certains anciens donc, du PDC n'étaient pas seuls. Ils venaient avec un certain nombre. Mais on va constater que, eh bien, quand en 2018, quand il y a eu donc la fissure entre le PDCI et puis Dramane Alassane Ouattara, il n'y a que certains cadres avec lesquels Daniel Kablan est arrivé donc au niveau dans le rassemblement des Oufouettistes, certains ont commencé par être remerciés, ou certains occupent des portions congrues d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça avait commencé déjà par faire état de ce que, eh bien, il y avait un intérêt particulier de faire la promotion des hommes de main, pour ainsi dire, de l'Assemblée de la Mouane Ouattara, contrairement à ceux qui ont accepté la fusion pour créer le RDH. On va rappeler au passé, Christian, que la démission en question date déjà du 27 février. Ça avait été déjà depuis la lettre de démission. Et il y a eu des pourparlers entre le président Alassane Dramane Ouattara et puis Daniel Kablan, vice-président de la Côte d'Ivoire. Mais coïncidence pour coïncidence, c'est le 8 juillet, le jour passé de vie à trépas à Manoukoulibaly, que la démission a été acceptée. Elle n'a pas été rendue officielle. Mmh. Et c'est quelques jours après, notamment donc hier, qu'officiellement, eh bien, il y a un communiqué de la présidente qui fait état de ce que, eh bien, Daniel Kablan a démissionné. Le chef de l'État qui a accepté. Alors, le motif donc, de convenance personnelle évoqué. À aucun moment, vous n'entendrez qu'on énumère dans une lettre aussi telle que ça se fait. Mmh. Il y a des rares fois où ça se voit, mais il n'était pas du tout attendu que, eh bien, que le Daniel Kablan étale les raisons pour lesquelles, eh bien, il démissionne. Mais on peut lire maintenant entre les lignes quels ont été ses comportements durant la période, parce qu'aussi il faut rappeler que la démission dont on parle le 27 février, disais-je, eh bien, c'était déjà avant que le président Alassane Dramane Ouattara ne dise qu'il n'est plus candidat à la présidentielle prochaine. Donc, bon, à partir de cet instant, il se voyait peut-être sur le timing, sur le contexte politique, on peut maintenant se poser les grosses questions pour certainement trouver les raisons qui peuvent être à la base de la démission du vice-président. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a qu'à quelques encablures de la présidentielle prévue pour octobre 2020. Cette situation n'est pas intéressante pour ça. Ça vient brouiller un peu le jeu politique. Oui, ça vient brouiller un peu le jeu politique. Je pense que Alassane Dramane Ouattara avait fait une annonce qui était appréciée de tout son peuple et qui pouvait même servir, je dirais, de modèle dans la sous-région pour ceux qui pensaient que Alassane Dramane Ouattara souhaitait s'accrocher, je dirais, éternellement au pouvoir. C'était sa volonté, hein, bon gré mal gré, de quitter le pouvoir et donc sinon de ne pas se présenter à la prochaine élection. Et donc moi je me dis que Alassane Ouattara traverse les moments les plus difficiles à la tête de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. C'est-à-dire c'est pas seulement les bruits de bottes, les tirs des chars ou des roquettes qui font forcément qui créent une certaine instabilité même dans la tête du président en exercice. Et la série des démissions. D'abord, le deuil national qui est en cours, notamment la mort de Gon Coulibaly. La démission annoncée et donc effective aujourd'hui de Kablan, n'est-ce pas, ça pose un véritable problème. Vous n'êtes pas sans savoir déjà qu'en mars, il y avait la démission de son ministre des Affaires étrangères qui avait boudé en ce qui concerne la désignation de Gon
Amadou Grand Koulibaly comme étant candidat à la succession de Alassane Ouattara. Donc, en résumé, ma foi, c'est que Ouattara traverse les pires moments. Voilà. Maintenant, ça fait, ça, il faut revoir les cartes, le jeu politique actuel. Actuellement, Ouattara va-t-il se reposer candidat lui-même, parce que la refonte de la constitution en 2016 en Côte d'Ivoire ne bloque plus Ouattara pour se poser candidat. D'accord, nous observons tout cela de bien près. Merci à vous, Wahab Alipera, Hakim Essédou, Sédi. Vous restez en plateau. On va recevoir ensemble notre invitée de ce matin, la professeure Rosaline Wourou, Rondécan, et la directrice de l'ENEAM. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. C'est le plateau de l'invité sur Actu Matin. Nous allons dans le monde de l'enseignement supérieur avec vous, professeur Rosaline Wourou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vous reçois en compagnie de mon collègue Hakim Essédou Ousseni. Oui, au niveau de votre établissement universitaire, je veux parler donc de l'École nationale d'économie appliquée et de management. L'actualité fait état de ce que la formation pour le diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière s'ouvre à partir de l'année académique 2020-2021. Pourquoi cette formation maintenant? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que c'est un privilège et c'est une très belle occasion que vous nous offrez ce matin pour parler du diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière. Ce diplôme, c'est un diplôme qui, en réalité, marque le deuxième niveau du cursus du diplôme d'études, du diplôme d'expertise comptable et financière que l'on appelle DECOFI, mais de l'espace UEMOA. Et ce diplôme est géré par la commission régionale de la formation à l'expertise comptable, qui est la CREFEC de l'UEMOA. L'aventure de l'ENEAM, École nationale d'économie appliquée et de management, une entité de l'université d'Abomey-Calavi, a commencé en septembre 2018. Au moment où la CREFEC a lancé l'appel à candidature pour agréer les centres et écoles devant former les jeunes de l'espace UEMOA et même de l'espace OADA à l'expertise comptable et financière. Nous avons déposé notre dossier de candidature en bonne et due forme à Dakar. La clôture était prévue pour le 30 octobre 2018, ce qui a été fait à bonne date. Et on était là quand, quelques temps après, nous avons appris qu'en décembre, il y avait eu un comité ad hoc qui
qui s'était réunie à Niamey pour examiner les dossiers de candidature des écoles. À l'issue de cette réunion, l'ENIAM a été sélectionné à cette première phase en décembre 2018. On en était là quand la CREFEC nous a écrit pour nous dire qu'il y avait une seconde phase à laquelle nous sommes tenus de participer. La seconde phase, j'avoue, c'est la phase la plus importante aussi, puisque c'est une évaluation sur site qui devait se faire. On devait voir si les données que nous avons fournies dans le référentiel institutionnel du CAMES, un référentiel qui prend en compte tous les éléments, que ce soit du point de vue infrastructurel, la manière dont on gère les étudiants, la manière dont nous conduisons nos enseignements, etc. L'enseignant et tout. Donc, tout ce travail-là avait été fait, ils sont venus. Et quand ils sont venus, ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas donné de fausses informations. Okay. Puisqu'on a une école crédible, une école appartenant à l'État béninois, une école qui est une entité de l'université d'Abomey-Calavi, qu'on reconnaît aussi comme étant une université de référence, non seulement au niveau du pays, mais même à l'international. Donc, tout ce travail avait été fait. Une fois que c'est fait, en juillet 2019, la CREFEC nous notifie notre agrément. En disant, on était... En juillet 2019. 2019. Nous avons été agréés pour la formation à l'expertise comptable et financière au niveau du Bénin. Et en tant qu'école publique, une fois agréée, ce qui est intéressant, c'est que dans la lettre d'agrément, il est clairement stipulé qu'aucune école ne devait rien faire, ne pouvait agir tant que le cahier de charge n'était pas signé. Ce cahier de charge devait être signé normalement en mars 2020, mais avec l'avènement de la pandémie COVID-19, on n'a pas pu et cette activité avait été reportée à une date ultérieure. Et c'est enfin le 25 juin 2020 que la CREFEC, la Commission régionale de formation à l'expertise comptable et financière de l'UEMOA, a organisé une réunion en ligne qui a réuni toutes les écoles et centres agréés pour cette formation au niveau de l'espace UEMOA. Et c'est à cette occasion qu'on nous a présenté le cahier de charge et on nous a donné l'autorisation de lancer officiellement la formation. Ah, vous direz donc ouf. Ouf. Et cet ouf a été marqué par un saut important parce que notre recteur, qui est notre responsable hiérarchique, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, a pris le devant des faits en allant vers notre ministre de l'enseignement supérieur pour que le lancement officiel soit fait. Mmh. Ce qui est fait aujourd'hui, le 9 juillet dernier, à l'hôtel Azalaï, la ministre de l'enseignement supérieur, accompagnée du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, ont lancé officiellement cette formation, qui est une formation d'élite au niveau de l'université. Elle se faisait où avant? Elle se faisait au CESAG. Elle se faisait également à l'université Houphouët-Boigny. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, comme à l'université de Yamoussoukro. Donc, cette année, la CREFEC a agréé plusieurs centres pour permettre à nos jeunes de pouvoir bénéficier de cette formation d'élite. Le cahier de charge rempli, difficulté, pas de votre fait, bien entendu, parce que vous rappelez que c'est depuis 2018, pour qu'enfin ce soit en 2020-21, pour la rentrée prochaine, que bien vous êtes, vous ouvrez. Vous rassurez sur le terrain de la disponibilité du personnel enseignant et maintenant les offres de formation, lesquelles on retrouve, les candidats donc à ces différentes formations. Est-ce que vous avez déjà, je dirais, la matière première pour vous? Merci beaucoup. Nous avons la matière première. C'est une formation régionale. Exactement. C'est ce qui est intéressant. C'est une formation régionale. Ce qui sera dispensé à l'École nationale d'économie appliquée de management sera la même chose que ce qui se fait au CESAG, ce qui se fait à l'Université au Houphouët-Boigny et même ailleurs, au Togo, un peu partout aujourd'hui. L'offre appartient à la CREFEC, la Commission régionale de formation à l'expertise comptable de l'UEMOA. Donc, cette offre qui appartient n'est pas notre offre, c'est une offre régionale. Et au niveau de l'ENEAM, nous sommes une école d'excellence. Nous avons essayé de nous baser, comme on le dit, de mettre en place deux piliers importants sur lesquels nous allons prendre notre appui. C'est d'abord le niveau de nos apprenants à l'entrée. Ensuite, la qualité des enseignants qui doivent former ces apprenants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que
Nous formons, nous allons former, nous allons accompagner, nous allons suivre, mais les examens se feront au niveau régional. Ce n'est pas, l'examen ne se fera pas au niveau de l'ENEAM, mais au niveau régional. Il est vrai, on a la chance d'être un centre d'examen, on a cette chance puisque la préfète l'a dit, mais ça va être des épreuves qui sont retenues au plan régional. Ce que le Togolais a composé, c'est ça que le Béninois, c'est ça que l'Ivoirien, tous les pays de l'espace UEMOA auront les mêmes épreuves. Et qui plus est, ce qui est intéressant encore dans ce dossier, c'est que le diplôme qu'obtiendra celui qui va réussir à toutes les épreuves de ce DESCOGEF, ce diplôme sera signé par le président du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. Ça montre déjà que celui qui sera formé et qui réussira brillamment les 10 épreuves prévues pour ce diplôme, celui-là ne va pas chômer. C'est zéro chômage. Et ça nous amène, ou ça vous amène à vous prononcer sur le profil de sortie des différents candidats donc à ce diplôme. En termes de profil de sortie, je crois que l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a fait un travail intéressant en nous sortant un modèle qu'ils ont intitulé TGV 2040-80. 2040-80 parce que normalement, le cursus de formation à l'expertise comptable est un cursus en 3 étapes. La première étape, selon les réformes qui sont en cours, peut-être à partir des années à venir, ces réformes seront mises en œuvre. La première étape consistera à mettre en place la licence en expertise comptable et financière. Et ensuite, la deuxième, le master qui équivaut en ce moment au DESCOGEF que nous lançons cette année. Et la troisième étape sera le DECOFI qui équivaut aussi à notre niveau, puisqu'on est en LMD doctorat dans le domaine. À ce niveau, ils trouvent que la licence va permettre d'avoir au moins 20 types d'opportunités d'emploi pour ceux qui sont licenciés. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le niveau master, le niveau DESCOGEF. Mais à ce niveau, ils ont retenu 80 opportunités d'emploi. Wow. Donc, celui qui obtiendra le diplôme d'expertise, le diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière, a la chance de se retrouver dans les grandes institutions internationales, dans les banques, la BOA2 en prend tout le temps, par exemple dans les banques locales, même dans nos banques ici, nous avons des gens qui sont DG, DGA, etc. Nous avons aussi, ils ont la chance de se retrouver dans les cabinets d'expertise comptable et financière, ils ont la chance de se retrouver dans l'administration, parce que c'est des comptables de haut niveau qui peuvent vraiment exercer et nous aider nos pays à vraiment relever le niveau de l'économie. Oui. Je crois que c'est vraiment une opportunité et j'invite vraiment les jeunes à aller vers cette formation d'élite afin de leur permettre de pouvoir, comme on dit, créer de la valeur. Mais quand vous invitez les jeunes, quels jeunes vous invitez? C'est quoi le public concerné par cette offre de formation-là? Le public concerné, ce sont les professionnels de comptabilité qui désirent vraiment se perfectionner ou aller vers l'expertise comptable. Okay. Et c'est des gens qui doivent être titulaires au moins d'un niveau Bac plus 4, c'est-à-dire l'ancienne maîtrise d'avant, l'ancienne maîtrise qu'on avait avant le système LMD, et ou carrément ceux qui ont les masters aujourd'hui. Parce que c'est un diplôme au-delà. En comptabilité. En comptabilité, en finance, en audit. Et en contrôle de gestion. Ceux-là sont capables d'aller. Et c'est des gens qui doivent vraiment travailler. Et je crois que l'École nationale d'économie appliquée de management a pris la mesure des choses. La mesure des choses, pourquoi? Parce que nous sommes dit, et le dispositif qui est en place, c'est d'aller d'abord, c'est de travailler avec l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Ce qu'on a fait depuis la phase de sélection jusqu'à ce jour, et ça va continuer même pendant la formation. Donc, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin nous accompagne et avec nous, dans le cadre de cette formation, nous travaillons avec eux d'arrache-pied et un partenariat est établi pour que vraiment nous puissions réussir cette formation. Et en termes de modalités d'enseignement et d'évaluation, nous allons recourir grâce à l'appui des professeurs de rang A au niveau de nos universités en sciences de gestion
et aussi grâce à l'appui des experts comptables et comptables agréés du Bénin, nous allons mettre en place un parterre d'enseignants qui doivent avoir, c'est une obligation, qui doivent avoir des compétences avérées dans le domaine cité, c'est-à-dire en comptabilité, en finance, en contrôle de gestion et en audit, en droit aussi, parce que quand on dit entreprise, on parle d'expertise comptable, c'est le médecin de l'entreprise. Il voit la santé de l'entreprise, tout comme les médecins aussi font la même chose pour les êtres humains au niveau de la santé humaine. Donc, puisqu'ils doivent tenir compte, ils doivent connaître l'entreprise et être en mesure de diagnostiquer le problème de l'entreprise, conduire l'entreprise vers des remèdes qu'il faut pour lui permettre de vraiment de mieux se maintenir sur le marché, d'avoir de très bonnes performances. Nous devons recourir à toutes les disciplines possibles pour vraiment amener le titulaire de ce diplôme-là à mieux s'exercer et être valable pour son pays, être valable pour l'espace UEMOA, être valable aussi pour l'espace OADA, qui aujourd'hui les sollicite beaucoup plus. L'avènement du LMD appelle donc à l'existence des quotas. Est-ce qu'on peut mettre un peu l'accent sur les quotas de formation? Première année, deuxième année, troisième année, ça se passera comment? Pour l'instant, nous parlerons beaucoup plus du niveau 2 que nous ouvrons à cette rentrée d'ESCOGEF. Oui. En termes de quotas, je crois que la CRIFEC a mis en place un dispositif que nous devons respecter. Mm-hmm. Et d'ailleurs, l'agrément qu'on a reçu est un agrément qui nous soumet au respect strict de ce qui est retenu au niveau régional. Donc, il n'y a pas de copinage? Non, il n'y en a pas, pas question. La preuve, la sélection était très rigoureuse. Il n'y a pas de copinage à aucun niveau, au niveau de ce dispositif-là. Et qui plus est, et qui semble être plus intéressant, c'est qu'au cours de la formation, nous allons faire des évaluations continues et périodiques pour les apprenants. Elle va durer combien de temps, la formation? C'est un an. C'est une formation d'un an, parce qu'ils vont composer, si tout va bien, au mois de juin ou au mois d'août, c'est la CRIFEC qui décide, voire même mois de décembre, ça dépend de la CRIFEC. C'est une formation vraiment qui exige la discipline de tous les côtés, que ce soit au niveau des étudiants comme au niveau des enseignants, la discipline institutionnelle. Donc nous devons nous conformer à tout ce qui est dit pour nous permettre d'avoir un taux de réussite intéressant au plan régional. Et je crois que l'ENIAM est parti pour avoir 100%. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Rosalie Nourou-Ondekon. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ENEA, mais vous étiez donc sur ce plateau pour nous apporter quelques informations précises et au profit de ceux-là qui ont fait la comptabilité, qui ont fait l'audit, contrôle de gestion, les finances et autres, par rapport à cette formation pour le diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière, le DESCOGEF, c'est ça? Oui, DESCOGEF. Voilà, désormais ouvert à l'ENEA. Merci beaucoup. Il y a des dates quand même qu'on doit le rappeler. Exactement. Pour qu'ils n'oublient pas. Mmh. L'ouverture, dès que la ministre a lancé, c'est que les dépôts de dossiers ont commencé déjà depuis le 9 juillet, et cela va prendre point le 23 juillet 2020. Et après ça, le 27 juillet, nous allons présenter rapidement la liste des personnes présélectionnées. Okay. Ensuite, il y aura un test de sélection. Et ce test de sélection aura lieu le mercredi 29 et jeudi 30 juillet 2020 à l'ENIAM. Et la semaine du 3 au 7 août serait la semaine au cours de laquelle nous allons publier les résultats. Et les cours vont démarrer en bonne et due forme à partir du 10 août. Et le 10 août, quand on va démarrer les cours, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire le renforcement des capacités pour la mise à niveau, pour leur permettre de démarrer leurs cours comme cela se doit au plan régional à partir du 2 septembre avec tout le monde. Donc, ils ont 3 semaines de renforcement des capacités. Et c'est au cours de ces 3 semaines, ils vont travailler d'arrache-pied pour être au même niveau que les autres. Et il y a un site sur lequel ils peuvent aller s'informer davantage. Oui, c'est le site de l'ENEAM, c'est www.eneam.uac.bj. Voilà. Et c'est ouvert à tout moment. Ils auront sur ce site-là les dossiers de candidature. Exactement. Et ils auront également la fiche à remplir. Ils auront tout ce qui leur permettra, au fait, de pouvoir déposer leur dossier et de pouvoir suivre leur candidature et avoir les résultats de sélection. D'accord. Merci beaucoup, professeur Rosalie Nourou-Ondekon.
Bonne journée du mardi à vous. Nous allons observer la pause. Juste après, je vais recevoir en plateau Zakiat Latounji dans l'acte 2 de notre thématique du mois sur les accidents vasculaires cérébraux, les signes d'alerte. Merci Hakimé. Merci. Bonne journée. La pause. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Si vous nous rejoignez, merci de nous préférer sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit. Nous sommes mardi. Le traditionnel rendez-vous de santé avec vous, Zakiat Latounji. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour à tous ceux qui sont au rendez-vous de notre programme santé sur Canal 3 Bénin. Ils vous disent merci. Alors, acte 2 de la thématique du mois sur les AVC. On parlera de quoi? Effectivement, nous avons commencé à parler des AVC, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux depuis mardi dernier. Mmh. Et ce sera le cas tout au long de ce mois, en tout cas tous les mardis de ce mois. Alors quand on parle d'AVC, accident vasculaire cérébral, c'est une interruption soudaine de l'apport sanguin au niveau du cerveau. Mmh. Et l'AVC a souvent des conséquences très graves. Il y en a qui se retrouvent avec des paralysies, il y en a qui carrément passent de vie à trépas. Mmh. Alors comme il vaut mieux prévenir que guérir, nous avons donc décidé tout au long de ces mois de nous informer sur ce qu'on entend par AVC, quels sont les signes, quels sont les symptômes et surtout attirer notre attention sur notre responsabilité vis-à-vis de notre santé. Mardi dernier, nous étions avec Dr. Hervé Aïssi qui est cardiologue et qui a expliqué un peu ce qu'on entend par AVC. Je voudrais, avec votre permission, nous permettre de l'écouter encore ce matin pour qu'il nous explique davantage en des thèmes vraiment... Il a encore d'autres informations à bien sûr. Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous allons parler de ces signes avant-coureurs. Mmh. C'est-à-dire que des signes qui sont parfois très banals, que nous remarquons nous-mêmes, mais des signes qui n'attirent pas forcément notre attention, qui ne nous amènent pas toujours à consulter. Mmh. Alors que ces signes-là, qu'on appelle encore les signes d'alerte, nous permettent en fait de suspecter qu'il y a une pathologie, qu'il y a un problème, qu'il y a un dysfonctionnement. Et comme toutes les maladies, dès qu'on prend en charge tôt une pathologie, on a toutes les chances de guérir rapidement. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'AVC est aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité aussi. Mmh. Donc, c'est important qu'on sache ce que c'est. Donc, on va écouter tout de suite Dr. Hervé Aïssi qui revient encore sur un certain nombre d'éléments concernant les AVC. Très bien.
Les accidents vasculaires au niveau d'un cerveau sont de types différents. On a ce qu'on appelle, ceux qui semblent les plus fréquents, c'est les AVC dits ischémiques. C'est un vaisseau qui se bouche. Il se bouche parce qu'on a beaucoup de cholestérol dans le sang. Il se bouche parce qu'on a fabriqué un caillot quelque part qui est monté jusqu'à arriver à une tranche de vaisseau qui est trop petite pour qu'il passe. Il le bouche. On a également une situation où, du fait d'une poussée de tension ou d'une fragilité intrinsèque du vaisseau qui s'exprime brutalement, le vaisseau se déchire. Le sang qu'il contenait coule de part et d'autre, forme un caillot qui va comprimer la partie adjacente du cerveau, créant un problème majeur. On a également ce qu'on appelle les lacunes ischémiques, où de façon éparse, les vaisseaux sont bouchés, ce qui donne progressivement des problèmes importants qui s'expriment et le patient n'est pas très très bien. Il a besoin à ce moment-là d'une prise en charge urgente. Alors, il faut savoir aussi que les séquelles d'un AVC, en parlant des conséquences de l'AVC, vont dépendre de l'endroit du cerveau qui est touché. Mmh. Et comme il a expliqué, les AVC qui sont les plus fréquents, ce sont les AVC ischémiques. Mmh. Et il a donné les détails par rapport à ça. Maintenant, quels sont ces signes-là qui sont des signes d'alerte, des signes-là qui doivent nous amener à consulter systématiquement? Parce que avec ces signes, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller vers son médecin traitant. Donc, on revient un peu sur les signes d'alerte ou, si vous voulez, les signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral avec Dr. Evea, ici cardiologue. Signes avant-coureurs existent. Ils sont souvent frustres et malheureusement banalisés par les patients. Sauf les patients qui ont un médecin traitant qui les suit, qui sera sensible à ces éléments-là. D'où la nécessité que chaque individu sur le territoire du Bénin, tout comme partout, tous ceux qui nous écoutent, aient l'intelligence de faire en sorte d'avoir un médecin, de recourir à un médecin chaque fois qu'on sent quelque chose de curieux. On a ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire, qui est compris comme un syndrome de menace. De façon brutale, un sujet ressent des signes déficitaires. Le sujet perd une fonction neurologique supérieure, une fonction motrice, une fonction sensitive, de façon brutale. Mais on a l'impression que, comme on dit ici, il fait une crise. Le terme vulgaire, pour tout dire. Dans cette crise-là, le patient se retrouve à avoir son déficit. Mais dans les heures, dans les minutes qui suivent, tout disparaît. Tout revient à la normale. Le déficit du patient dure moins d'une heure. Et après, tout se passe bien. Il recommence à pouvoir bouger. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est des éléments, sans doute avant-coureurs, avant le grand crash, comme on dit. Mais serait beaucoup plus intelligent celui qui va considérer que je ne dois pas attendre un signe, soi-disant avant-coureur, mais quand même relativement lourd. Tout individu qui se retrouve avec un taux de cholestérol élevé, un taux de graisse dans le sang élevé, tout individu qui se retrouve avec une tension anormalement élevée, tout individu qui se retrouve avec un diabète, tout individu qui se retrouve avec une maladie du cœur, avec des troubles du rythme. En fait, tous les individus devraient prendre la peine de se surveiller. Mais les éléments que j'ai cités précédemment, qui sont relativement péjoratifs et qui sont fortement, c'est ce qu'on pourrait appeler des facteurs de risque. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est ces éléments-là qui doivent surtout alerter. Chaque fois que je me retrouve dans cette situation-là, je dois faire en sorte d'avoir un suivi, d'aller voir le cardiologue, d'aller voir le neurologue, d'aller voir le médecin traitant pour dire « Ah, j'ai telle chose-là. Comment on va faire pour pouvoir surveiller ça? Comment on va faire pour pouvoir stabiliser ?» Tant que je ferai l'effort de stabiliser les choses, de ne pas aller dans le décor par rapport à ce que j'ai comme problème, je pense qu'il y aura moins de soucis. Alors, voilà un peu les signes avant-coureurs et voilà le comportement qu'il faut également avoir dès qu'on se retrouve face à ces signes-là. Mais dans son message, ce qui est important, c'est d'éviter même que des signes avant-coureurs
ne se présente à soi. Et pour arriver à ça, c'est qu'il y a à faire un bon suivi, un bon suivi de son état de santé, ce qui permet déjà d'avoir un bon diagnostic et de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, et éventuellement prévenir les problèmes. Donc, surveiller sa tension, c'est important. Surveiller son taux de cholestérol, faire le check-up comme il le faut au niveau de son cœur pour savoir si éventuellement on a une maladie du cœur ou éviter les maladies du cœur. Dès qu'on a un trouble au niveau du rythme cardiaque aussi, c'est important. Et tout ça vous permet en fait d'être davantage à l'abri de ces différents problèmes. Maintenant, si il y a des signes avant-coureurs, c'est qu'il faut vraiment consulter tout de suite parce que les AVC font partie des problèmes d'urgence sanitaire. Donc, c'est une urgence sanitaire et il y a des structures bien habilitées pour une bonne prise en charge. Maintenant, qu'est-ce qui se fait en matière de prise en charge? Et il y a tout un dispositif. Il y a des médecins qui sont formés pour ça et qui arrivent à vraiment prendre correctement soin des personnes. Mais si vous permettez, Christian, je voudrais revenir très rapidement sur 6 indicateurs qui sont caractéristiques en particulier, des indicateurs caractéristiques des AVC. Et si vous vous retrouvez dans ces catégories-là, sachez qu'il y a problème et ne vous dites pas que bon, ça va passer. Parce que quand on est dans la catégorie des signes avant-coureurs, c'est que c'est des signes qui arrivent pour un moment et la minute d'après, ça passe. Donc, vous pouvez ne pas toujours suspecter qu'il y a problème. Voilà. Donc, hémiplégie totale ou partielle, c'est-à-dire un bras, une jambe ou une moitié du visage qui est sans force. Déformé. Ça peut, vous n'arrivez pas peut-être à bouger la main ou un bras pour quelques secondes. Et la minute d'après, ça y est, ça reprend. Donc ça, c'est un signe qui devait... voilà. La perte de la sensibilité d'un bras, d'une jambe, de la face ou d'un côté du corps. Ça aussi, c'est des éléments d'attention. Une personne qui a des difficultés à s'exprimer de manière claire. Vous parlez avec une personne à un moment donné, elle perd le fil de ses idées, elle commence à aller un peu dans les dans le décor complètement. Donc, il y a de quoi... les difficultés à mouvoir, perte soudaine de l'équilibre, la chute d'une personne soudaine et quelques secondes après, elle se retrouve normalement. Et puis, bon, c'est comme s'il n'y avait pas eu de problème et que la vie reprend normalement son cours. La perte soudaine de la vision d'un œil et les migraines intenses. Donc, tous ces éléments-là sont des signes avant-coureurs. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie, je crois qu'il est important d'aller voir votre médecin traitant qui pourra vous référer au besoin vers un cardiologue, un neurologue, en tout cas en fonction du problème qu'il aura identifié vers la personne appropriée pour une bonne prise en charge. C'est ça. Donc, on se retrouve mardi prochain pour l'acte 3, toujours par rapport aux AVC, puisqu'il en sera le cas, il en sera ainsi tout au monde, au long de ce mois. Mais le mardi prochain, nous parlerons de la prise en charge au Bénin. Est-ce que véritablement on a le plateau technique approprié pour une bonne prise en charge et comment on prend en charge une personne qui souffre d'AVC et quelles sont les chances de sortir guérie et rétablie, parce qu'on voit certaines personnes qui en sortent avec des paralysies quelquefois. D'accord. C'est bien compris, c'est bien noté. Rendez-vous pris mardi prochain à 4 l'atelier. C'est ça. Merci beaucoup bonne journée. Merci Christian. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons vous proposer de revivre l'actualité au roman telle que traitée par les parutions du jour. Chez vous, ce sera la revue de presse, lecture des journaux, décryptage, présentation, assumons cagnation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Assemblée nationale ouvre ce jour ses portes pour la deuxième session extraordinaire, une session qui intéresse la tribune de la capitale, qui écrit qu'il fallait s'y attendre, une session extraordinaire pour sauver les meubles. En effet, avorté faute de consensus à la clôture de la première session de l'année 2020, l'examen de la proposition de résolution portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera poursuivi à l'entame de cette deuxième session extraordinaire. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire.
renchérit fraternité. Il s'agit de l'examen de la proposition de résolution portant révision du règlement intérieur du Parlement. À quoi peut-on s'attendre ce jour au Parlement? Se demande le journal pour lequel le cap devrait être maintenu par rapport à l'allure au cours de la première tendance. Ceci pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour démontrer une fois encore que traiter le Parlement, 8e législature, de caisse de résonance n'est pas exact. En tout cas, le quotidien La Nation est dubitatif en ce qui concerne l'issue de la session. Il pense qu'avec la convocation de cette session extraordinaire, l'on se demande si les députés ont réussi à planir les points de désaccord autour des dispositions querellées. L'on sera édifié au fil de l'évolution des débats de la séance de ce jour, conclut le journal. Le Bénin poursuit sa marche vers des horizons meilleurs et, comme le rapporte le matinal, pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable, le Bénin propose 7 messages clés pour 2020. Le journal explique que c'est à l'occasion du forum de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable organisé par les Nations Unies le lundi 13 juillet. Les travaux se sont déroulés par visioconférence au ministère du Plan et du Développement sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a exposé la contribution du pays au titre de l'année 2020 pour l'atteinte des ODD. Une atteinte des ODD qui ne saurait l'être sans le bien-être des populations. Et c'est dans ce sens que le tout nouveau maire de Djougou, Malik Seibou Gominan, dans une opinion publiée par le quotidien Fraternité, aborde l'urgence d'impliquer la décentralisation dans les réponses à la riposte contre la pandémie liée à Covid-19 pour souligner que le 1er juillet 2020, la ville de Djougou enregistrait officiellement son premier cas. La COVID-19 démontrait ainsi une propagation qui semble de plus en plus difficile à maîtriser. C'est dans ce contexte de circulation du virus que le rôle des collectivités territoriales doit être davantage mis en avant. Dans son opinion, il s'intéresse aux conséquences économiques de la COVID-19 au niveau local, aux limites d'une riposte sans ancrage local, aux contributions des collectivités locales à la riposte contre la COVID-19 et il estime, pour conclure, que les partenaires techniques et financiers qui appuient les réponses nationales sur le continent doivent être aussi sensibilisés à cette urgence d'inclure la décentralisation dans la formulation et la mise en œuvre de la riposte. Dans la suite, La Nation note au sujet de l'organisation du brevet d'études du premier cycle que dans tous les centres parcourus, il y a assez de dispositifs de lavage des mains. Les candidats ont porté leurs masques et sont disposés de façon à respecter la distanciation minimale. À propos de la tenue effective du BEPC et d'autres examens de fin d'année, ajoute Fraternité, le ministre a fait savoir ses sentiments pour confier que le pari d'organiser les examens est en train d'être tenu. C'est un sentiment de travail fait et de devoir accompli pour le gouvernement, selon Maounion Kako. De son côté, le matinal renseigne que les résultats seront proclamés le 2 août. Hors du Bénin, face à la puissance de feu de Boko Haram au Nigeria, rapporte la tribune de la capitale, près de 400 soldats désertent l'armée. À en croire le journal, l'armée nigériane a des soucis à se faire. En effet, des centaines de soldats nigériens luttant contre ce groupe dans le nord du pays se désengagent des forces armées, selon une note qu'ils ont adressée au chef d'état-major de l'armée du pays, Tukur Buratai. Merci de m'avoir suivi. – 8h50, c'est à cette heure précise que nous refermons cette randonnée de l'information sur Canal 3 Bénin. Actu Matin, c'est terminé. Merci à chacun et à tous de votre attention et merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés tout au long de ces environ 2 heures d'information. Demain, on se retrouvera pour d'autres sujets à aborder avec vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Au revoir.